Messieurs, cette minute de silence est un hommage à la mémoire d'Ephraim Ponticolo, disparu voici aujourd'hui 3 ans dans une catastrophe aérienne. Elle est le témoignage de notre affliction pour l'homme qui avait mis au service d'un pays qui n'était cependant pour lui qu'une patrie d'adoption, son grand savoir et sa probité scientifique. Messieurs, vous pouvez disposer. Non. Messieurs, les conclusions des différentes enquêtes menées à l'extérieur du laboratoire sont formelles. Il y a des fuites ici. Un suspect a été arrêté hier à Douvres. Malheureusement, trop tard. Il n'y avait aucun document sur lui. Une nouvelle piste est suivie. L'affaire a été confiée à Slim Callaghan, un détective qui a fait ses preuves. J'avais au moins 10 paires de bas de soie de trop. Ça paye? Chérie, je t'avais bien dit que nous aurions des ennuis. Monsieur le douanier, ces 10 paires sont à moi. Je les porte l'hiver autour du cou, comme ça. Oui, ça va, faut pas prendre les gens pour des idiots. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça l'est encore, je parie. Mais non, voyons, c'est un rouleau pour magnétophone. Mais ça paye, ça. Et d'abord, pourquoi que c'est vert? C'est pour enregistrer la jolie voix de madame. Ouais, vous fichez pas du monde. Et combien d'argent anglais en billets, vous avez? 50 livres en billets de 10. Oui, ça va, vous êtes trop malin pour moi, tous les deux. Vous ne manquez pas d'esprit d'à propos, monsieur? Tony Brighton. Merci, monsieur Brighton. Voilà vos bas de soie, mademoiselle. Irania Trasmonti. Pittoresque. Je viens à Paris, et vous? Moi aussi. Laissez-la avec les autres. Le porteur s'en chargera? Non, j'ai des flacons très fragiles. Et je veux la porter moi-même. Voici ma carte. Je vends des frigidaires et des machines à laver. C'est passionnant. Je vous ferai une démonstration à domicile, Irania. Oh, c'est trop de bonté, Tony. Quel est votre numéro de téléphone? Nous n'en sommes pas encore là. Je connais déjà votre adresse. 23 boulevard Flandrin. Je l'ai lu sur votre fiche de police à la douane. Vous auriez fait un bon policier, monsieur Brighton. Après tout, j'en suis peut-être un. Non. Je ne crois pas. Vous n'avez pas la tête à ça. Tiens, tiens. J'ai la tête à quoi? À vendre des frigidaires, tout simplement. The right man in the right place. Voici mon catalogue. Quand puis-je me rendre chez vous? Un taxi, s'il vous plaît. Oh non, non, laissez, s'il vous plaît. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
mon catalogue. Allez, vite. 23 boulevard Flandrois. 23 boulevard Flandrois. Elle n'a plus la petite valise. Hep, taxi. Valise. Alors, à quel étage habite votre cliente? Troisième à droite. Dites donc, elle avait une petite valise beige à la main, en prenant votre taxi à la gare. Qu'est-ce qu'elle en a fait? L'a-t-elle remise à quelqu'un? Elle m'a fait faire quelques centaines de mètres, puis elle m'a fait revenir sur mes pas et fallait elle-même me déposer la consigne. C'est bon, vous pouvez disposer, mais gardez votre langue sur tout ça. Hein? Nature, je suis trop bavard. D'abord vérifier votre compteur. Vous avez été pas remarqué. Vous dépensiez deux fois plus qu'avant ces derniers temps. Oui, peut-être. Et pourtant, je ne suis jamais là. Raison de plus. C'est qu'elle est courjue. Ben, je vais les trouver, Marie Courjue. Mais j'ai même pas besoin de cet outil-là. Je les renifle. C'est comme pour les chiens. Il y en a qui sont forts au perdreau, il y en a qui sont au lapin. Mais moi, je suis courjue. Et vous en sentez par ici? Oh, pas encore. Il faut que j'aille, que je vienne, que je tâte par-ci, que je tâte par-là. Que vous tâtiez quoi? Madame, les canalisations. Ah, bon. Alors, le compteur est dans la cuisine à droite et la salle de bain est à gauche. Bien, pardon. Allô? Qui est-ce? Anthony Britton. Frigidaire, machine à laver. Vous, alors, vous ne perdez pas de temps. Mes valises ne sont même pas ouvertes. Un malheur n'arrive jamais seul. Figurez-vous qu'il y a plein de courts-circuits chez moi. Mais Monsieur Brighton, il ne faut pas rire avec les courts-circuits. Surtout quand ce sont des courjus. Comment? Que dites-vous? Répétez, s'il vous plaît, j'ai peur d'avoir compris. La semaine d'après. C'est ça. Plus tard, beaucoup plus tard. Ah, vous avez de la veine que je pouvais passer par là? C'est les plombs qui a sauté. Enfin, c'est réparé, j'ai arrangé ça. Ah, il n'y a pas à dire. Le travail, c'est la liberté. Et le jour où il n'y aura plus de capital, on n'en foutra plus le ramer. Vous devez être fatigué, voulez-vous un verre de vin? Ah non, non, je bois du lait. Non, merci, ma petite dame. Au revoir. Voilà le numéro de consigne.
vous appelez O'Sullivan et vous êtes né à Dublin, Irlande. C'est écrit dans mon passeport. Je suppose que vous savez lire. Vous avez un billet pour Marseille. Quel est le but de ce voyage? Tourisme. On m'avait dit que la France était un pays accueillant. Mais nous sommes dérangés spécialement pour vous recevoir, monsieur O'Sullivan. Merci. Il n'y a pas de quoi, monsieur O'Sullivan. Ce rouleau de magnétophone est-il enregistré? Non. On l'écoutera tout de même. Il est possible qu'il reste un peu de musique dessus. Oui, elle est intéressante, je ne sais même plus ce que c'est. Comme ça, vous le saurez. Et moi, j'adore la musique. Eh bien, nous allons l'écouter. Pendant ce temps-là, passez-moi ce monsieur à la foule. Vous n'avez pas le droit. Je ferai protester mon ambassade. De quoi m'accuse-t-on à la fin? Trois fois rien. Vol de documents ultra secrets intéressant la sécurité de l'Empire britannique. De bêtises, quoi. Alors, Henri, c'est prêt? Ça va, laisse-moi. Vous allez entendre la suite des fins de la valse triste en la mineur de Bielotti. Mr. Callaghan, j'ignore si vous trouvez cela intéressant, mais pour ma part... Vous avez tort. Cette musique a plus de signification qu'aucune autre. Les notes de musique correspondent à des lettres ou à des chiffres. Le destinataire est en possession d'un code qui lui permet de traduire en clair. Et vous voulez que nous mettions au travail là-dessus? Absolument pas. Ma mission consiste à trouver le bénéficiaire des fuites du laboratoire atomique d'Orwell, pas d'en connaître la nature. Je vous demanderai de garder ce rouleau dans votre coffre. Mais avec plaisir. Alors, Pradiès, quelque chose d'intéressant? On a trouvé ça dans la doublure de son veston, un billet de 10 livres sterling épinglé à un prospectus. Ça va? Livres sterling. Le cabaret Castillan, ses guitaristes, sa chanteuse flamenca, la Montalban. Direction Gonzalez, I. Gonzalez. Voilà pourquoi notre ami se rendait à Marseille. Pareil que tu as envie d'y aller et de faire connaissance de la Montalban. Ce sera facile. D'après son passeport, Sullivan n'est jamais venu en France. Et tu crois que tu pourras te faire passer pour un Irlandais? Plus facilement que toi pour un gentleman. Pouvez-vous faire préparer un autre rouleau identique à celui-ci, avec la même annonce et une musique à peu près semblable? J'en aurais besoin. Mais c'est très facile. L'inspecteur Badet ira à Marseille par un autre train. Bien, monsieur le commissaire. Et je ferai prévenir la brigade de se tenir à votre disposition. Parfait. Et surtout, que Sullivan soit isolé de tout contact avec l'extérieur. C'est une affaire extrêmement grave. Comptez sur moi, monsieur Kerrigan. Et 50 000 livres de récompense à la clé. Ça fait combien en petits francs, ça? Oh, pas plus d'une cinquantaine de millions. Mais tant pis, on s'en contentera. Après ça, on se sent mieux, n'est-ce pas? Un deuxième verre, s'il vous plaît. Nous sommes-nous déjà rencontrés quelque part? Non. Et quand je pense que ça aurait pu ne jamais arriver, j'en suis bouleversé. C'est votre entrée en matière habituelle, je suppose. J'en ai comme ça une bonne douzaine. Vous préférez autre chose? Elle n'est pas très originale, mais elle me suffit amplement. Nous serions mieux assis, n'est-ce pas? Sûrement. Laissez-nous la bouteille. Toute la bouteille? Toute la bouteille. Pour la commodité de la conversation, je m'appelle O'Sullivan. Daria Vaep. Et vous êtes un Irlandais, par-dessus le marché. Vous n'aimez pas? Je n'ai pas dit ça. Évitons d'aborder un sujet dont les opinions diffèrent. Pensez-vous à quelque chose de particulier? Il se pourrait que ce soit vous qui pensiez.
Vous en seriez fâché? Je ne sais pas encore. Je sens que ça va être passionnant, Dorian. C'était fou chez la Mahané. Il y avait des tas de types extraordinaires. Un soir, nous avons été cambriolés. C'était terriblement excitant. Si seulement cela pouvait nous arriver chez la comtesse Aragos, je serais curieuse de voir sa tête. C'est son frère qui m'a invité, le comte Aragos. Je crois qu'il est amoureux de moi. C'est une espèce de brute que j'ai rendu inoffensif. S'il nous voyait ensemble, il vous tuerait. Pas sûr. Vous devez être pas mal costaud, vous aussi. Ce serait sûrement une belle bagarre. Organisez donc ça à l'occasion. Que pensez-vous de moi, monsieur Sullivan? Votre cas n'est pas tout à fait désespéré. Avec un peu de poigne, un type décidé pourrait peut-être arriver à un résultat. Un type dans votre genre? Par exemple. Vous ne manquez pas de bagou. Je vends des frigidaires et des machines à laver. Les clientes, je les ai à la conversation. Tenez, comme ça. Nous sommes à Marseille, monsieur. Ma chère, je suis arrivé. Moi aussi. González y González. Ah. Je n'ai pas reçu votre colis. Mais n'ayez crainte. Dès qu'il sera ici, je vous l'apporterai moi-même. Si. Adios. Gracias. Quand tu es né, la gitane a prédit. Quand tu chaperais, que tu brûlerais ta vie. Pleurer du désir, combien d'hommes trop perdus dans tes yeux. Le souvenir et la peur des jours heureux. Sur ton chemin, tu n'as jamais connu le mal d'amour. Et ton destin, c'est de t'en aller toujours. Cheveux au vent, les seins nus sous ta chemise en lambeaux. Tout en chantant, tu marches au pas des chevaux. Tout doucement, les feux du camp s'allument dans la nuit. Et lentement, tu vas te glisser sans bruit. Pour retrouver celui qui toujours t'appelle. À qui jamais tu n'as voulu te donner. On te chaperait, souviens-toi que la gitane a prédit. Que tu brûlerais ta vie. Quand tu chaperais, prends garde à toi.
toi car l'amour dans ton cœur. Comte Chaperès, un jour sera le vainqueur. Un jour sera le vainqueur. Levanta una reina, un hombre se descubre. Invité la signora Montalban. Ay, señor, la doña Montalban ne consentira jamais à ce soir par la belle Montanilla. Même pas avec la saucisson. Saucisson? Prenez quand même mon invitation et faites le change. Tiene billete. González et González va vous changer le billet. C'est le bon. Il est bon. Vous êtes monsieur O'Sullivan. Et moi, González y González de Mendoza et d'Abucasil, comte de Castelmejor, marquesse de la Torre. Etc. Mon ami, la comtesse Aragos a téléphoné trois fois de sa résidence. Elle vous attend avec une impatience fébrile. Un retard imprévu. Je comprends. Iragna trasponti.
Vous savez, j'ai... On peut voir? La résidence est à 3 heures de route. Le temps de donner quelques ordres et nous partons. N'oubliez pas ma monnaie. Je ne pense qu'à ça. Le vin est offert par la maison. Une gentillesse me veut un autre. Permettez. Muchas gracias. A la disposición de usted. Descendez de là-dedans. Les mains en l'air. La bobine. Jette-la par terre. Recule. Recule. Avec une voiture comme ça, vous vous laissez rattraper? Hein? Je comprends tout. C'est un coup de volonine. De qui? C'est un ennemi très puissant qui voulait s'emparer du rouleau à tout prix. Pour en faire quoi? Et nous les revendre. C'est pas bête, ça. Alors, si c'est une question d'argent, ça doit pouvoir s'arranger. Ah, c'est aux autres de décider, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est aux autres. Mais en attendant, nous n'allons pas moisir ici. Il faut tout de même aller les mettre au courant. Qui? Eh bien, les autres. Si, vous avez raison. Il y a une roue de secours, je vais la mettre. Une roue, c'est un peu court pour deux pneus crevés. Alors, que faire? Nous sommes à quelques kilomètres du village. Allons chercher une dépanneuse. Vous voulez que j'y aille pendant que vous changez une roue? Pas d'histoire, hein? Pas de coups de téléphone. À qui? Aux autres. Thank you.
Allô? Ici H2O. Passez-moi le X67. Allô? Surveillez le café El Castillon et ses alentours. Une traction numéro 13, 12, 72, 806 va peut-être stationner. Deux hommes l'occupent. Je crois que Gonzalez fait le finot. Il s'est fait dévaliser par des compères sur la route qui nous ont piqué le rouleau. Gonzalez, maintenant, va essayer de faire chanter la banque. Je vous contacterai cette nuit par émetteur parce que je ne sais pas où il va m'emmener. La route à gauche. Eh bien, voilà. Merci. Au revoir. Madame la comtesse a du monde. Elle vous attendait bien plus tôt. Si, mais nous savons crever deux fois. Vamos. Commodore Schubertski. Charmé. Tout va bien, Commodore. Ce sont eux. Allez, comtesse. Bonjour, Rosalès. Comtesse. Madame la comtesse Aragos. Monsieur O'Sullivan, je suppose. Enchantée, comtesse. Appelez-moi Sabine. Ravie de vous voir enfin. Avez-vous fait bon voyage? Merveilleux, sauf une petite crevaison. Conduisez ces messieurs. La chambre turquoise pour Monsieur O'Sullivan, la chambre tourterelle pour Monsieur Gonzalez. Bien, madame la comtesse. Ah, j'oubliais. J'ai hâte de faire entendre un peu de musique nouvelle à mes invités. Et au commodore Schubertski. Monsieur O'Sullivan, ne nous faites pas languir. Je crois que le commodore devrait attendre un peu. Et pourquoi donc? Il n'y a pas de musique. Pas de musique? Pas de musique. La raison, s'il vous plaît? Et nous avons été attaqués sur la route par des hommes puissamment armés. Ils ont bloqué ma voiture. Gonzalez, on nous épie. Souriez. Pour l'amour de Dieu, souriez. Ils nous auraient tués comme des lapins. Ils ont tiré sur la voiture, crevé les pneus et volé la musique. Avouez qu'elle est bien bonne. Très drôle. Reste à savoir si elle sera appréciée. Par qui? Par lui. J'ai hâte d'entendre la fin. Allons-nous pouvoir la danser ensemble? Il y a eu excès de précaution. Rien de grave. Vous l'aurez avant peu. Mon yacht restera encore 48 heures au large des îles. C'est un dernier délai. Soyez sans crainte. Nous écouterons la fin de la valse triste à bord de votre yacht dès demain. Je crois que nous avons fait notre petit effet. Elle se calmera. J'espère bien que non. Elle est charmante quand elle est en colère. Nous ne sommes pas ici pour rigoler. Allons prendre un bain. Oh, quelle surprise, Monsieur O'Sullivan. Voici le comte Aragos, le frère de Sabine. Bonjour, Gonzalez. Oh, décidément, tout le monde se connaît ici. Richard, soyez un amour. Il faut absolument acheter à Monsieur O'Sullivan un frigidaire. Et pour Sabine, ce sera une machine à laver. Il a une façon de vous expliquer comment ça fonctionne. Excusez, mademoiselle Doria Varek, le champagne, la musique. La musique de Bielotti. Oh, mais dites tout de suite que je suis ivre. Oh, tenez, Monsieur O'Sullivan, est-ce qu'une femme saoule peut faire ça?
demain, cher Commodore. Je vous montrerai mon dernier bikini, style île du Levant. Hâtez-vous de me faire voir ça. Je ne mouillerai à Port-Croix qu'une seule journée. Si peu. Le bain de ces messieurs est prêt. S'il vous plaît, monsieur O'Sullivan, voulez-vous m'expliquer le fonctionnement de cette machine à laver? Cette démonstration est strictement réservée aux jolies femmes. Semblez ignorer que je suis judoka ceinture noire sixième dan. Ce renseignement n'a qu'un lointain rapport avec ma machine à laver. Et si je vous ai, moi, la démonstration de la planchette japonaise numéro 10 bis, qu'est-ce que vous en diriez? Je vous confierai mes impressions après. Talent. Il joue faux. Bonsoir, comtesse. La soirée était excellente. Les attractions sensationnelles. Mais la musique était faible. Très faible. Et, chère comtesse, si vous le permettez, le lieutenant Souvarov restera à votre disposition à la villa. Soignez bien votre grippe, Souvarov. Niagogoy, commandant. Entrez. La robe de chambre demandée par monsieur est là, ainsi que son whisky, Johnny Walker. Réserve spéciale. Réserve spéciale. Il y a longtemps que vous n'avez pas été payé. Et pourquoi, s'il vous plaît? Vous en faites une drôle de tête. C'est mon air naturel, monsieur. Alors, c'est différent. Une seconde, s'il vous plaît. Pas de mort au rat là-dedans. Mon ami Johnny n'aime pas beaucoup ça. J'imagine que monsieur est connaisseur. Non. Pas de mort au rat. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit. Qui est là? La bille. La situation est très grave. Notre vie à tous est en jeu. Si dans 48 heures, nous n'avons pas de rouleau, c'est le suicide collectif. Charmant. 48 heures, c'est court. Par contre, si nous réussissons, c'est 500 000 livres qu'il y a à se partager. Quelle est votre opinion? Ne pensez-vous pas que Volonine... Qui a parlé de Volonine? Gonzalez, après l'agression. Il a dit, c'est un coup de Volonine. Moi, je préfère ça. Ça n'est plus qu'une question d'argent. Qui est là? Amélie! Ouvrez la porte. On demande Madame la Comtesse au téléphone. De la part de qui? Monsieur Volonine. Branchez la ligne dans ma chambre. Venez, monsieur O'Sullivan. Allô, oui. Ici, comtesse Aragos. Je sais, abrégé, s'il vous plaît. 15, pas question. 8, à prendre ou à laisser. 12. Vous n'y croyez pas vous-même. 10, d'accord. L'île de Bago, je sais. Deux hommes apportant les fonds. Gonzalez et un autre. 10 000 livres sterling. Voilà ce que me coûte l'incapacité de Gonzalez. Ah, celui-là. Il aurait dû supprimer Volonine quand il a livré le dernier rouleau. Comment savez-vous ça? Avouez que si tout s'était bien passé, c'est ce qui me serait arrivé à moi aussi. N'est-ce pas, ma chère Sabine? Mais non, voyons.
Vous, ce n'est pas la même chose. On ne traite pas tous les hommes de la même façon. C'est le vent. Tiens, de la musique. C'est le... Le rendez-vous est pour demain sur l'île déserte de Bago. Vous aurez l'argent, ils auront le rouleau. C'est un jeu de prendre le rouleau et de garder l'argent. Vous joueriez à ça, vous? Si j'étais à votre place, sûrement. Vous n'auriez pas aussi quelques bonnes grenades par hasard? Ils seront deux. Il y a six coups. Ça fait donc deux balles pour chacun. Deux fois deux, quatre. Deux fois trois, six. N'oublions pas Gonzalez. Ah, parce qu'il a droit à la distribution lui aussi. Tiens, mais c'est vrai. Après tout, pourquoi pas? Et de cette façon, ce n'est pas 10 000 livres que nous gagnons, mais 50. Vous ne pourriez pas vous arrêter un petit moment dans vos calculs? Vous n'avez donc rien compris? Si. Justement. Vous voyez ce bateau qui lève l'ancre? Nous pouvons être à son bord demain. On nous déposera dans un endroit sûr. Très loin. Nous aurons assez d'argent pour faire beaucoup de choses. Vous et moi. Et lui, là-haut, vous l'oubliez? Vous pensez à tout, monsieur O'Sullivan. Réfléchissez tout de même à ma proposition. C'est tout réfléchi. Deux fois trois, six. Bonne nuit, comtesse.
Oh, mayday! Firmin, vous avez sonné la cloche pour les invités. Oui, madame la comtesse. Tiens, bonjour, comte. Vous avez bien dormi? Suffisamment pour vous poser une petite question. Qu'est-ce que vous faisiez cette nuit dans la chambre de mademoiselle Doria Barrett? J'ai joué au billard. Très drôle. Eh bien, monsieur, considérez-vous comme giflé. Et vous, considérez-vous comme mort? Vous refusez de vous battre. Quelle arme choisissez-vous? 6 coups, 4 ports, revolver d'ordonnance. Et après le sabre de cavalerie. Oh, pas suffisant. Je propose le bazooka et le 75 sans recul. Vous jouez au plaisantin. Peut-être que la manchette javanaise numéro 12 bis vous calmera. Celle-là, mon cher comte, c'est la douce terre. Grisha, sortez de là, vous êtes ridicule. Firmin, enlevez monsieur le comte du piano. Bien, madame la comtesse. Moi, Prouchik, au cogoy, y'a pétasse. Carouche! C'est fou ce qu'il a de la musique. Siedou Debussy. Cette querelle est stupide. J'exige que vous vous serriez la main. Tiens, bonjour, Gonzalez. Qu'est-ce que vous avez à l'œil? Ce n'est rien. C'est un compère Loriot. Le café au lait de madame la comtesse est servi. Vous avez un nouveau maître d'hôtel? Je ne vois pas m'aider. C'est son jour. Celui-ci est un extra qui n'a aucun style. Passez-moi le beurre, s'il vous plaît, monsieur Sullivan. Voyons, Firmin. Oh. Tronskoy! Tronskoy, Bourak! Bourak, ce bâtard! Sortez, Firmin! Bourouk! Je finirai par aller vivre à l'hôtel. Oh. Comtesse, à l'hôtel? Vous qui avez horreur du bruit et de l'agitation? Il est vrai qu'ici, pour se reposer, c'est parfait. Les nuits sont d'un calme. Trop! Dites-moi, chère Sabine, vous savez que nous sommes invités par le commodore Schubertsky à bord de son yacht pour un cocktail baignant. Je dois d'abord avoir une conférence avec Gonzalez et M. O'Sullivan. Nous vous rejoindrons ensuite. Ah, si j'aurais peut-être ma revanche en natation.
sur 100 mètres papillon ou en plongeon. Le double saut de carpe tire-bouchonné. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur O'Sullivan? En attendant, passez-moi donc la confiture. Monsieur O'Sullivan est certainement un champion. Eh bien, voyez-vous, c'est au billard que je me défends le mieux. Je comprends pourquoi cette nuit vous êtes venu dans ma chambre, avec cette grande queue de billard à la main. Petit cachotier. Il y a du soleil et la vie est belle. Richard, ne vous gavez pas de café au lait comme ça. Alors c'est entendu, monsieur O'Sullivan. Dès que vous aurez fait le truc de la machine à laver à Sabine, vous rappliquez et on prend un bain de soleil à l'île du Levant. Si vous n'avez pas de maillot là-bas, ça n'a aucune importance. Bye bye. Elle est charmante, cette fille. On dirait un petit oiseau des cils. Oui, un frein. Parlons au sérieux, si vous voulez bien, Gonzalez. Voronine hier a téléphoné. 10 000 livres sterling, voilà ce que vous me coûtez. Nous aurons le rouleau ce matin. Cet après-midi, il sera traduit. Et cette nuit, nous levons l'ancre. L'affaire aura été menée à bien. Après 3 ans de patience et de ruse. C'est vous dire à tous les deux qu'aucune fausse manœuvre ne doit être faite. Pourquoi à tous les deux? Monsieur O'Sullivan vous accompagnera à Bago ou à lieu de rendez-vous. Allez vous préparer. Dans 5 minutes, le Chris Craft sera de retour. Deux chambres qui font des signaux. C'est chanteux. Débarquez. Voici l'argent. Compris, n'est-ce pas? Donnant, donnant. Vous êtes désarmé? Farceur, va. Vous savez bien qu'il n'y a rien à craindre. Pourquoi dites-vous ça? Est-ce que par hasard vous vous imaginez que j'ai coupé dans l'histoire de l'agression sur la route? Mettez donc les menottes à monsieur Gonzalez et Gonzalez, comte de Castelmior, marquis de la Tour Pointue, etc., etc. Slim, les deux copains ont mangé le morceau. C'est bien Gonzalez qui avait organisé le coup pour faire chanter la comtesse. Oh, you son of a gun, you dirty pig, I'm going. Eh bien voilà, Gonzalez, vous êtes mort. La comtesse en avait décidé ainsi. La comtesse? Caramba! Puerca indecentes! Et j'espère que vous allez l'arrêter aussi. Ça, marquis, comme on dit dans l'aristocratie, ce sont mes oignons. À propos, passez-moi le petit sac, les 10 000 livres. Petit cachotier, passe-moi le rouleau et suis bien toutes mes instructions. Ok, sois sérieux. Et si tu ne peux pas être sérieux, sois prudent. On essaiera. Hé! Hey, autre renseignement! Iranien transportier a fini de chez elle. Bon.
comtesse, 2 × 3, 6. Le rouleau? Ils ont été irréguliers. Le voilà. Et l'argent? Je l'ai. Donnez-le-moi. Nous mettrons tout en commun pour le partage. Mais naturellement. La chose intelligente qu'il ait faite, c'est de vous amener ici. Il tient qu'à vous y rester. Avec lui? Avec moi. Oh, je respire. Vous m'avez fait peur. Écoutez, toute cette clique, les Aragos, Garcia ou Sullivan, ça m'a l'air d'être des incapables. Et moi, les incapables, vous me comprenez? Je leur donne encore une petite chance. Mais de toute façon, demain, je lève l'ancre avec vous. Et sans eux. Ah, oh, quelle bonne idée. Et où irions-nous? La côte d'Almate, le Péloponnèse, le Bosphore. J'y songerai. Qu'est-ce qu'il vous racontait tout à l'heure en faisant comme ça avec sa main? La façon de couper le jambon dans son pays. Ah, bien. Tiens, voilà la comtesse. Gonzalez, qu'en avez-vous fait? Il avait le mal de mer, on l'a débarqué. Attention, monsieur O'Sullivan. Votre vie est en danger ici. Ne perdez de vue ni le Chris-Craft, ni moi-même. Qu'est-ce que vous proposez à monsieur O'Sullivan? Un bain de soleil à l'île du Levant. Allez-y si vous le voulez. Venez, monsieur O'Sullivan. Le commodore Schubersky vous attend. Karakov. Vous allez entendre la suite des fins de la valse triste en la mineur de Bielorussie. Cousine, cousine, t'es fraîche comme une praline. Cousine, cousine, coquine de soir, quelle bonne mine. Edith, tu as bien dormi dans le train? J'espère que tu avais un coin, mon Stop. Qu'est-ce que ça signifie? Monsieur O'Sullivan, c'est bien le rouleau que vous avez apporté de Paris. Lui, O'Sullivan? Oh, laissez-moi rire. Quand je l'ai rencontré, il s'appelait Anthony Brighton. Et il vendait des machines à laver. Qu'il disait. J'ai eu des doutes. Il m'a fallu un certain temps pour découvrir sa véritable identité. Je vous présente Slim Callaghan, qui travaille pour le compte du laboratoire d'Harwell, avec l'Interpolis. Compliment, monsieur Callaghan. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Vous me gênez beaucoup. Imposteur! Bouchard! Vous savez bien que si vous me tuez, vous ne l'aurez jamais, votre rouleau. Et ce pauvre Gonzalez, qu'en avez-vous fait? Je parie qu'il est arrêté maintenant. Vous irez le rejoindre bientôt. Ah oui?
Deux fois trois, six. Yann, Yann! Ne le fais pas, je le veux vivant! Je peux plus gouverner. La direction est bloquée. Préparez-vous à sauter. Thank you.
traites sont liquidées. Plus tard, je m'occuperai des incapables. Allez, vite, levez les ancres. Vite, vite. Vous avez compris l'allusion, mademoiselle Irania Trasmonti. Le commodore a parlé au pluriel. Tout mergré, comtesse. C'est inquiétant, ça, hein? Se diriger vers le large. Jusqu'à quelle limite pouvez-vous les poursuivre? 20 000 marins. Après, ils seront en dehors des eaux territoriales françaises. Et l'aviation même ne peut plus rien. Je suis d'autant plus inquiet que Slim Callaghan est en leur pouvoir. Je vais envoyer un message radio au sémaphore de l'île du Levant pour savoir s'ils ont en vue un bâtiment correspondant au leur. Radio? Jamais su que c'était lui. Il va y avoir de la casse, ne restons pas sur le pont. Irania Trasmonti n'a peur de personne. Il faut vous mettre à l'abri, nous sommes en haute mer. Nous allons mouiller. Non, non, c'est pas nous, restons. Ils vont être en dehors de la limite. Attention, tir au but. Lieutenant, Callaghan est à leur bord. Je regrette, monsieur, mais les ordres sont formels. Feu! Fait sauter. Mon vieux Slim. Plus de whisky pour Callaghan. Hep! Monsieur, écoutez ce radiogramme qui nous est envoyé par le radiophare de l'île. Un homme et une femme vous rejoignent dans une barque de pêcheurs. Détail particulier, ce ne sont pas des nudistes. Leur indicatif, H2O. H2O ! C'est Callaghan ! Steve, pas d'histoire, hein ? Accoste ! On réglera nos comptes tout à l'heure. Par ici. Par ici.
ce vieux Nichols. Allez, au revoir, mademoiselle. Au revoir. Merci. Merci. Lieutenant Chénier, Mr. Slim Callaghan. Vous avez donné de sérieuses inquiétudes. Messieurs, je vous présente mademoiselle Doria Varrett, qui m'a aidé beaucoup dans un moment difficile. Dites-moi, lieutenant, vous n'auriez pas une glace et un pain? Non, nous n'avons pas ça dans la marine. Alors amenez-moi vite à la villa, il faut que je me change. J'ai un cocktail chez la princesse Lynn Gradin. Ça tombe à pic, car nous aussi, nous avons encore quelque chose à faire en ville. Alors, ce Commodore Tuberski qui met en la musique était un espion? La comtesse et son frère aussi? Oh, des gens si distingués, on ne sait vraiment plus à qui se fier. Vous les connaissiez depuis longtemps? Oh, je pense bien. Depuis une quinzaine de jours. Et avec ça, la croisière est fichue. Nous organisons un combat naval et vous vous plaignez? C'est banal. On voit ça tous les jours au cinéma. En avant, toutes! En avant, toutes. Je vous attendais, messieurs. Je vais avoir l'honneur de vous jouer la troisième partie de la valse triste en la mineure de Bielocci. Monsieur Ponticolo, nous avons à vous parler. Silence! Laissez-moi achever mon œuvre. Et qui vous permet de m'interrompre? Bien, lâchez-moi! Pauvres imbéciles! Vous vous battez pour utiliser le fruit de mon travail. Trop tard! Vous serez tous exterminés, tous! L'homme ne mérite plus de vivre. La science le tuera! Vous mourrez! Pauvres insectes prétentieux et stupides! Tous! Tous! Il est fou, mais tout ce qu'il dit est insensé. Allez, embarquez-le, pas d'histoire. Z06, puis H28, égale XY103. Voilà ce qu'il fallait savoir. Vous sauterez tous, messieurs, trop tard! Trop tard! XY, voilà ce qu'ils ont fait de Ponticolo, l'un des plus grands savants atomistes qui soit venu travailler chez nous. Il y a 3 ans, un avion a explosé en vol au-dessus des Alpes, et tous ses passagers ont péri. J'y suis. Ponticolo était à bord. C'est ce qu'ils ont voulu faire croire en embarquant à sa place un quelconque pauvre type muni de ses papiers. Ils ont provoqué l'accident. Et depuis 3 ans, Ponticolo travaillait pour eux. Il recevait les fuites qu'un complice demeuré dans le laboratoire mettait sur de la musique. Ils cherchaient le secret de la bombe au cobalt. Ils ont bien failli la voir. Et Doria Varrett, qu'en fais-tu? Je crois qu'elle est innocente. Enfin, jusqu'à un certain point. Je tiens à l'interroger moi-même. Interrogatoire au 3e degré? Au fait, si vous allez au cocktail de la princesse Lina Gradoff, ne comptez pas sur moi. Ah, oh, vous avez raison, elle s'habille terriblement mal. Ça, je m'en balance. Mais ce bain m'a rendu enragé. C'est du solide que je veux. J'ai ce qu'il vous faut, une auberge au bord de la route, pas loin d'ici. D'ailleurs, je vous conduirai. J'ai ma voiture. Excellente idée. Bon, je vous lâche. Zakouski est un nom. Et vous qui aimez une certaine musique, il y a un petit orchestre de derrière les fagots. Ok, baby. Va pour les Zakouski. Vous appelez une petite auberge à côté, 4 heures de route avec rien dans l'estomac. J'aurais dû me méfier. La prochaine fois, j'emporterai des sandwichs. Moi qui vous prenais pour un artiste?
Quelle déception, vous ne pensez qu'à manger. Vous êtes tous comme ça, dans la police anglaise. Exactement. Et trois fois par jour. Et dans la police française, alors, à quoi pense-t-on? À l'amour, naturellement. Monsieur Callaghan. Mon Stradivarius s'incline devant une si parfaite beauté. Mon plus grand désir serait de le faire vibrer pour vous, ballerina. Maestro, jouez-moi une valse lente, douce, profonde et irréelle à la fois. Oh, Cicciornia, les yeux noirs, peut-être. Non, vous plaisantez. Si vous vouliez me faire plaisir, vous me joueriez la suite et fin de la valse triste en la mineur de Bialogi. À vos ordres, Marina, rien de plus facile. Vous en faites une tête. Et notez bien que cette fois-ci, c'est la vraie, Monsieur Callaghan.